Et on attaque Stéphane Bern dans la game carrément. Tu stream souvent, ça dépend. Alors en ce moment j'essaie de stream tous les jours. Ok, donc c'est la map composante Anvil. Donc là, l'intérêt de cette map, c'est de savoir faire les bons items en early game souvent. Vous n'êtes pas obligé, mais il y a beaucoup de spots où il faut faire des items early. J'aime bien l'IA KDA, hein. Avec une Evelynn, c'est fort. Après, j'ai déjà deux l'IA, donc c'est bizarre de la prendre, quoi. On peut gamble d'avoir quelque chose de mieux, dans le sens où si j'ai deux l'IA 2, enfin une IA Chosen plus une IA 2, bah l'intérêt d'avoir l'IA 2, c'est juste d'avoir un KDA en plus, donc c'est un peu bizarre, quoi. Vaut mieux avoir un Chosen différent. Ça peut être pire comme ça peut être mieux, et puis si c'est pire, au pire on fait 10 gold, c'est pas grave. Donc il y a déjà, on a un Runan, donc on peut peut-être faire Runan plus un item. Ça peut être assez dingue. Là on a un opener Senna Felios potentiellement. On a Gnar aussi. Pour le coup, Taric c'est pas un mauvais champion, mais j'ai déjà beaucoup de frontline et j'ai plus besoin de dégâts, donc j'aimerais bien attendre. Alors, ok, une belt, on va voir, ça peut être Raven Shroud qui est un thème très méta. Yasuo m'inspire pas trop. J'ai Nashor tous potentiellement. Ok, une map, c'est une game Prisma. Stationnaire en early c'est très très fort, Buried c'est vraiment pas mal, mais c'est déjà une map à composants. Donc plus vous avez de composants, moins chaque composant a de value, logiquement. Donc ça c'est moins fort sur les maps à composants. Et ça c'est plus fort logiquement, donc... Enfin, c'est pas plus fort que de base, mais je veux dire, c'est une augmente plus forte que l'autre. Ça, j'aime juste beaucoup. Et ça, c'est super fort. Je vais voir un petit peu les stats quand même, ce que ça raconte sur Stationary actuellement, vu la méta, mais... 4-44, c'est pas si dingue quand c'est en early game, ça, apparemment. Bon, ça, c'est juste pas terrible. Apprendre ça par défaut, c'est bien. C'est pas non plus une game trop bizarre, du coup. Ça va vous permettre de vous montrer un petit peu plus. Une game plus simple. Bah, du coup, là, on va sans doute... Enfin, j'allais dire, on va jouer sans Chosen, mais c'est faux. Je pense qu'on va jouer ça... comme ça. Bon, c'était pas le mieux, c'était pas la l'IA devant, mais c'est pas grave. Et on va essayer de chercher des bons items. On va slam en Even Shroud, je pense. C'est juste un très bon item, et on va voir ce qu'on a là. Une IE. Hop, IE Even Shroud, très méta. Ça joue autour de Viego, de Yone, de Riven, de Gnar, de machin, de trucs, de Ezreal, tout ça. Puis on va le griff, lui, s'il veut reroller le machin. C'est parfait. On va vendre ça, acheter ça, excellent. Et bon, j'ai pas fait mon meilleur board, mais on est pas loin, donc c'est cool. C'est ok. Ça file en gold par round en plus, ce truc là, c'est trop trop fort. Ok, ça on peut vendre, ça on peut vendre. Ça on est un peu loin d'Arsteel, donc c'est pas forcément très cohérent pour l'instant. Après, je peux jouer en Rapid Fire pour que ça donne 10 d'AS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Erge Lord, Rapid Fire, Zone Sentinelle, KDA, nanana. C'est que ça c'est très cher à hold, quoi. Bah sinon, en fait, je suis bête. Merde, je vais finir là. Bah faut prier pour gagner, je pense qu'on gagne, on a des items slam sur un Chosen, ça a l'air plus fort. En fait, si je rentre, il faut juste que je rentre super fan next round. Et voilà. Salut Yaroi. C'est Morlux Maxing. Hop là, un petit Stera qui ça part. Super fan, et enlève pour voir. C'est bon, j'ai enlevé, j'ai remis. Bon, du coup, là, vous avez demandé, ah oui, mais pourquoi tu fais pas tes free rolls, etc. avec cette augmente potentiellement. Alors, cette augmente, elle est là pour stacker les rolls et en fait pouvoir vous permettre de faire un gros roll down au moment où vous voulez spike, au moment où vous voulez devenir fort d'un coup. Donc, soit si vous générez roll potentiellement, ça peut être genre niveau 7 classiquement. Si c'est niveau 6, c'est bizarre parce que du coup, vous dormez sur pas mal de rounds de free roll pendant longtemps parce que vous allez roll au niveau 6, donc vous allez être niveau 7 beaucoup plus tard dans la game. Donc, classiquement, c'est plutôt quelque chose que vous voulez utiliser niveau 8 pour jouer des 4 causes. Donc là, c'est cohérent avec le fait que j'ai fait Even Shroud IE parce que c'est plutôt autour de Pentakill, autour même de potentiellement Harry, mais surtout d'Arsteel. Donc, on va voir. On va acheter ça, on va acheter tout de toute façon. On pourrait faire 20, mais en fait c'est des paires vraiment assez impactantes au final ici, donc on va pas le faire. STP Vasco, enlève super fun vite fait qu'on rigole un peu. Mais qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi tranquille. Il se stack les rolls, bien sûr il se stack, frère. C'est le principe. Là on pourrait faire une spot 8 bit et juste jouer Riven. Voir si on est comtesse d'abord. Ou enfin prendre la spot et voir ce qui se passe en tout cas, mais. De toute façon sinon niveau. En fait, on peut prendre ça et au pire, on joue Viego, genre, mais... Bon, il y a Riven, c'est excellent. On va push Riven, et du coup, on a directement Spat 8-bit
pour jouer avec, donc c'est excellent. On peut se battre de bite quelqu'un, genre le Gnar. Y'a pas le bug. Ah, vous voulez pas que j'ai mon item en gros? Laissez-moi tranquille. Bon, on va slam. Spat et beat directement, je pense. Hein. Ça me fait gagner. Bon, en vrai, j'en ai pas besoin pour gagner pour l'instant. J'en ai pas du tout besoin pour gagner pour l'instant. Si c'était sur le Yasuo, ce serait tellement fort que ce serait sans doute value, mais là, non. Après, il y a un monde où je perds ça, mais. Parce que Kayle, c'est fort quand même. Ouais, je pense qu'il y a un monde où on perd là. Parce qu'elle va faire l'explosion. My bad. Hop, on va vendre des conneries. Senna, ça m'intéresse pas des masses. Tu slams pas pour stack? Pff, stack, c'est pas très important en early en fait. En fait, c'est pas du tout sûr que je joue Riven de ce spot. Parce que si j'ai des drops d'items full AP, c'est très bizarre, tu vois. Genre, mon seul slam, c'est IE, qui est le seul item modulable de Riven. Enfin, le seul slam Riven que j'ai, c'est ça. Bah, je préfère rester ouvert à autre chose, tu vois. Ça a beaucoup de valeur d'attendre, je pense. Qu'est-ce que je fous là? Ok, c'est mieux là. En gros, moi et Dicop dans une game, on a retiré Superfun, donc perso, on garde les items. Hein? Peut-être vous l'avez fait le genre de la seconde. Je vais prendre Kai'Sa parce que c'est la seule qui est le plus loin de ce que je suis en train de jouer là actuellement, je pense. Hop, parfait. Allez, nice, parfait. Ok, pas mal d'upgrade. Après j'ai Shopping Spree, donc en fait Shopping Spree ça me donne aussi envie de jouer des 4 cos, donc là vraiment ça dépend des items. Si j'ai beaucoup d'items Riven, on va commit Riven. Si j'ai des items un peu flex AD, etc, on va jouer autour de Pentakill a priori. Ça va dépendre parce que ça peut y avoir déjà des mecs full commit Pentakill. Il va jouer Jax on dirait. Pas sûr, on va lui à joueur style. Lui joue Kayle. Lui joue Yasuo. Il y a deux mecs qui ont l'air des joueurs style, donc en fait on peut jouer tranquillement Pentakill si besoin. Là c'est peut-être BTQSS, donc pour le coup là vu que j'ai la spot 8 bit, j'ai très envie de jouer Riven là. Parce que là pour le coup j'ai demi BT, demi QSS. Je pense qu'on va slam hein. Et puis on va jouer Riven je pense. Donc là vous pouvez demander pourquoi est-ce que tu joues Riven alors que t'as dit que Shopping Spree tout c'était mieux pour les 4 costs. Parce qu'en fait je connais le cap potentiel de Riven. Et le niveau auquel ça atteint c'est vraiment dingue en fait, c'est assez démesuré si t'es en 6 bit. C'est pas genre, je pense pas que ce soit le meilleur truc du jeu, tu vois, mais c'est juste assez free comme ligne, et là j'ai une Riven, et personne a l'air de vraiment jouer autour d'elle, donc... Bah, on n'est pas contest, on joue une ligne qui a priori peut avoir un potentiel dingue en late, j'ai déjà une Riven, et j'ai des items qui sont très cohérents, je sais pas pourquoi on le ferait pas. Avant le Corki, j'en ai pas besoin pour l'instant, on va pas jouer en 6 bits avant longtemps. Remember Your Roots avec Riven, pour le coup, c'est vraiment pas dégueu. Ça, c'est pas dingue, je pense, Little Beast, ça sert à rien. C'est plutôt Crash Test ou Remember Your Roots en vrai. Remember Your Roots pour l'instant ça va buff les 3 là. En vrai c'est pas mal. On va roll Crash Test. Oh, Gramassi c'est la meilleure au monde de Riven donc on va roll ça. On va prendre ça. Magnifique. Et on va pas push ici. Parce que ça coûte cher en fait. Descendre à 30 c'est super cher. Donc on va jouer avec moins d'HP, mais quand vous jouez des rerolls, c'est pas grave de descendre un peu en HP tant que c'est des compos qui ont vraiment un potentiel de comeback. Il y a des rerolls qui sont là pour tempo, c'est-à-dire que c'est des rerolls qui sont faites là pour rester fort tout le mid-game, et écraser le lobby en mid-game, pour ensuite peut-être scale un peu moins, mais avoir écrasé le lobby, donc du coup vous prenez l'avantage comme ça. Riven, pour le coup, c'est un peu une compo de comeback. Quand vous avez Riven 3 et que vous commencez à stacker 8 bits, là, ça va devenir fort. Mais avant ça, c'est pas mal, tu vois, ça tient la route, mais c'est pas genre la compo du siècle. Donc investir maintenant, ce serait un peu étrange. Enfin, c'est pas le plus optimisé. Là, il faut vraiment qu'on trouve Riven 3 au bout d'un moment. Parce que par contre, Riven 2, ça ne va nulle part. Donc, on va jouer slow sur deux rounds. Tu la roll le 7? Ouais, je vais roll le 7. On pourrait replace Gnar et mettre le 8 bit sur lui à ce stade. Peut-être que 8 bit, c'est combien de stack là? Il fait 10 d'AD. Pouah, non, j'abuse en vrai. Pas encore. Ok, du coup, on va juste pré-level. On pourrait juste push, ça coûte qu'un gold et ça rentre Mordekaiser. Pour le coup, c'est fort, hein. C'est un gros spike. Ouais, après, ils sont tous assez faibles, mais je pense que Mordekaiser peut legit me faire gagner le round. Et dans tous les cas, c'est un gold perdu, mais c'est qu'un seul gold parce que l'XP, en fait, vous voyez, on a mis un peu plus d'XP dans le niveau 7. Vous voyez, on est un peu plus proche du niveau 7 là. Donc ce serait de l'XP perdu si on joue une compo reroll au niveau 6. Donc, comme ça, faire des push comme ça off-cœur, on appelle ça donc. Où vous avez un peu d'XP qui avance comme ça sur l'autre level, qui mange un peu sur l'autre level. C'est pas terrible.
si vous savez que vous allez que la game peut s'arrêter au niveau 6 par exemple, si vous vraiment vous jouez une compo au niveau 6 ou vous allez reroll toute la game et chercher toutes vos unités au niveau 6. Donc ça vaut aussi pour le niveau 8, 9, pour tous les levels en fait. Mais là, en l'occurrence, je sais que je vais jouer Riven, donc je vais roll au niveau 7. Donc ces goals-là que j'ai investi dans l'XP qui servent à rien pour l'instant, je vais les récupérer plus tard parce que ça coûtera moins cher de passer niveau 7. Donc ça, c'est un peu avancé, ça peut pas parler à certaines personnes, mais j'espère que vous avez compris un petit peu. La priorité, c'est largement, je pense, QSS, sachant que j'ai déjà arme assist. Et qu'en plus, je peux faire Hoge en last item, ça peut être bien vu que j'ai arme assist. On va essayer d'aller chercher cette cloak. C'est-à-dire que bon, comme j'ai demi-BT, on va a priori faire une BT. Pour ceux qui savent pas, BT c'est Bloodthirster. Hein. Donc, le best in slot de Riven, c'est. J'ai déjà fait une vidéo complète si vous voulez aller voir où j'ai review une game. Ça reste totalement valable, hein, ça reste plus ou moins exactement la même chose. Juste Caitlyn qui est un petit peu plus forte qu'avant maintenant. Donc, faut investir sur elle. Mais Riven, son item modulable c'est Titan. Donc, en fait, vous allez pouvoir faire QSS plus un item de heal plus un dernier item. Le dernier item étant Titan, IE, GS. Et en fait, là, comme j'ai déjà arme 6, j'ai beaucoup de heal. Donc, j'ai pas tant besoin d'huile supplémentaire de la BT. Je peux aussi faire une Hoge. Donc, la Hoge, cet item-là qui a un peu moins de heal que la BT. Mais je pourrais faire Hoge, IE, QSS. Et comme ça, je me retrouve avec un build full crit. Et c'est super fort pour le coup. Ah merde, fallait que je fasse autre chose. C'est pas grave. On va mettre la QSS sur lui pour l'instant. Je pense que la QSS était mieux que Stera. Ah, pas forcément vrai. C'est bien d'avoir un item en plus gratuit. Incroyable ce Yasuo. Yasuo c'est une unité qui stack et tout, donc on pourrait penser que c'est vraiment trop nul de base, mais c'est pas trop mal en vrai pour porter des items, hein, depuis qu'il s'est fait buff quelques fois là. Donc là on tire tranquillement, vous voyez, ça peut faire peur un peu à certaines personnes de dire « Oh putain, je descends en HP assez bas et tout », mais non, faut pas s'embrouiller, surtout que là on sait qu'on a Shopping Spree et tout, y a pas de problème. Le Luna, on va le garder a priori que un round, donc est-ce que j'ai vraiment envie de l'upgrade, c'est cher là. Ça dépend qui j'affronte. Si j'affronte des mecs trop forts et que ça me permet de sauver beaucoup d'HP, ça peut être bien. Mais là, je suis pas convaincu. Après, je sais pas, il a deux idem. Mais si j'affronte lui, de toute façon, c'est assez free. Lui, je pense que. Putain, pourquoi il a une Riven? Ok. En vrai, le Gnardo, il peut être bien là, mais je sais pas. Je pense que c'est mieux de garder des gold potentiellement pour la Riven. On va faire ça. Pourquoi en sachant que tu vas jouer Riven, tu slam sur le Gnar, il a une raison. Parce que le Gnar, je le joue pas en late. Je vais le vendre après, tu vois. En fait, si je slam sur la Riven ici, pourquoi je le slam pas sur cette Riven? C'est sans doute plutôt ça que tu demandes. Parce qu'en fait, si c'est la Chosen qui tombe, je vais avoir les items bloqués sur la Riven non Chosen, donc je devrais jouer les deux en même temps. Et là, c'est bizarre. Surtout que la Riven Chosen est plus forte, elle a des stats supplémentaires. Donc t'as envie de garder tes items pour la Chosen dans l'idéal. Après, des fois, t'es obligé, tu vois, si j'ai Riven 2 et que ça me sauve 30 HP de le mettre directement sur la Riven 2, bon bah pourquoi pas. Mais là, c'était pas le cas. Bard. Hop. On va push directement vendre le Chosen pour avoir le free roll de Chosen derrière. Et voilà. Evan Shroud il peut aller sur Viego, mais a priori il va aller sur Mordeux. Et là vous voyez typiquement, quand vous jouez une compo reroll, faites attention à pas commencer à considérer tous les trucs à reroll en boucle. Genre commencez pas à essayer de reroll Yone avec, de reroll je sais pas quoi, je sais pas qui, Garen ou je sais pas quoi. Le seul que je vais peut-être accepter c'est Mordeux et encore. C'est vraiment si j'ai beaucoup de Riven et que c'est facile de la hit. Bah vous allez voir, hop, alors, ça je sais pas, on y va doucement, Riven, Edgelord, Yone, tac, hop. Ok. Du coup on va slam ça là. Sterak a priori après. Pour l'instant sur lui, vas-y va sauter bientôt de toute façon. Sterak. Et après on verra hein. En vrai c'est peut-être Gunblade juste pour me débarrasser de ça. Et après je fais une Hoge. Oh, j'aime bien ce gear. J'aime bien cette idée, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça on joue pas. Alors faut peut-être que je me fasse un planeur vite fait, enfin que je réfléchisse au moins à ce que je dois jouer. Parce que j'ai peut-être skip des unis d'ailleurs. Roll de dice vraiment pas terrible dans cette compo parce que bah y'a que Riven quoi. Ça c'est un peu nul en vrai. Golden Egg ça me paraît trop risqué. Bon bah ça pourquoi pas hein, ça on veut pas. Ouh jouer Lotus, folie. 40% de crit en vrai, sachant que j'ai peu déjà crit. Je pense que ça reste bien. Ouais non pour la Caitlyn après. Après ça peut être des items Caitlyn. Pour l'instant je les mets sur quelqu'un d'autre, j'ai un remover.
un Sterak. Vas-y, on va prendre ça. Non, ça sert à rien en fait. Pour l'instant. C'est qu'il y a des Riven out partout, frère. Ils jouent tous Riven. Lyonnais, il peut être plus intéressant. Mordeux, je pense que jamais on va le toucher 3, donc on peut vendre. C'est trop contest comme unité dans toutes les compos du monde. Riven, il faut la hitbeat dans l'idéal. Surtout parce que là, j'ai une spot hitbeat. Il y en a plus dans la poule ou c'est comment, frère? C'est juste que je le roll, hein, mais lui, il en a une. 3, 4. Ça va. Hein. Et bah, il y a le cerf qui dort du coup. Je pense à un autre là. Je vais vendre la Riven du coup, j'imagine. Sinon elle va peut-être passer dans la poule. Ah, ça sent le flop. Ça sent le flop cette histoire. Il me faut une chose de Riven, allô. Et pourquoi est-ce que l'autre il a une Riven bench? En mode il va faire Riven 3. Alors que ça sert à rien dans sa compo. Faut la vendre. Ok, une hoge, mais c'est sur Yuri qui c'est un peu relou. Sinon, c'est GS, Shogin plutôt. Ah bah c'est pareil, c'est une tire aussi, tu me diras. C'est ambigu la game, très étrange, ouais. Parce que moi j'en ai 6. Lui il en a une, donc 7. 8, 9, 10, 11. Donc, il en reste assez dans la poule pour 8. Normalement, moment qu'il y en avait un peut-être qu'il avait dans son shop. Genre 2 qui ont un Chosen Riven dans leur shop, mais... Peu de chance que ça arrive, normalement. Le pivot de fou. Non, j'ai une spot headbeat, c'est trop bizarre. C'est l'Edge Lord, bon, on est obligé de prendre, je crois, les gars. Bam. J'ai même pas Kayle en plus, hein. Quel bordel. Ok. Bon, on était sur la transi donc on est un peu moins fort, logique. J'espère que ça suffise. Derrière, on a deux vies. Faut 5 Edgelord aussi, accessoirement. Caitlyn 2, donc on va continuer à roll, j'imagine. Je sais pas, c'est trop bizarre. Entrée Rapid Fire, j'imagine aussi. En fait, ça sert à rien. Ça va là. Guardian, Mosher, trop dommage. Super cher lui en fait. Alors, je pourrais jouer une autre Caitlyn à la place. Parce que comme dégâts, 3900. Je pense que c'est ça juste parce qu'en fait il a Edgelord quoi, donc normalement il fait plus mal en fait. Je privilégie le heal sur lui au lieu de Caitlyn parce que bah forcément il est en front donc il a plus de chances de prendre des dégâts. Logique. Est-ce que je vends le Corki? Faudrait que j'ai une autre spat et de bit de toute façon pour le value. Donc oui. Et c'est possible mais pas pour l'instant.
C'est bien, c'est une game que je, si j'aimerais bien pouvoir top 1 avec celle-là, comme ça je peux vous montrer comment on s'en sort d'un spot low roll. Donc là vous avez vu, j'ai vraiment roll comme un malade mental jusqu'au moment où je touchais, parce que je savais que sans ça je perdais les rounds. C'est une question de ça. Des fois il y a des spots où vous pouvez être dans des, où vous pouvez vous dire ah là je, là c'est tranquille, je peux attendre un peu et tout, mais classiquement c'est pas le cas. Ce qui peut être correct, c'est si avec un peu de chance je trouve Lucian, je peux rentrer Lucian Bard vers ces deux-là. J'ai même pas eu Caitlyn 2, donc là c'est très particulier parce que j'ai ni Viego 2 ni Caitlyn 2. Ça donne envie de roll encore en fait. Pour soit Edgelord, soit Caitlyn 2, soit Viego 2. Je pense qu'on est obligé de roll encore. Après, on peut aussi aller se dire on va au 8 et on aura les free rolls quoi. On va faire ça. Est-ce qu'on push maintenant ou est-ce qu'on attend un round? Ça dépend du match-up. Barn. Lui je le bats peut-être pas, lui c'est chaud. Ah, ça fait peur un peu, hein. Je pense qu'on va push maintenant. Utiliser les free rolls et prier. Ça on peut pas, c'est trop cher. Ok. Bon, pour le coup, là il me reste plus grand chose, donc on va juste rentrer ça et prier pour avoir Kayle dans pas trop longtemps. Là il faudrait Runan ou Shojin, quelque chose comme ça. Runan Gunblade, c'est pas mal. Allez. Gunblade sur lui. Il l'a bien mérité. Les stacks qui sont en train de monter aussi. Hein. On va scale petit à petit quand même. Il faut pentakill surtout. Bah, je vais rentrer pentakill over ça. Hein. Ouais. Pentakill c'est de la S sur toute la team au bout de 5 kills. Donc c'est très important. Pour clutch les fights. Normalement tu tires de Kayle. Mais bon là je crois qu'elle veut pas trop venir celle-là. Sachant qu'elle est full contest. Donc c'est compréhensible. Tu vois il y a lui... Qui en a. Bon, il en a que 6, il en a que 9, hein, il en a pas 18, bien sûr. Lui, il en a 2, tu vois, et je crois qu'il y en a un autre, non? Non, bon, ça fait déjà pas mal quand même. On va garder le Bard, et on va prier pour avoir de quoi rentrer un genre de Lucian. Ouais, non, on verra. C'est au niveau 9, quoi, mais donc c'est un peu loin. Donc là, je mets le Mordeux devant la Riven pour qu'il prenne l'aggro avant elle. C'est l'idée. Vu qu'elle a pas bété, elle est quand même un peu plus pushy. Mais elle fait beaucoup plus mal avec OJE. Hein. C'est un gear qui fait super mal. A chaque fois que vous gagnez de la D sur Headbeat, c'est amplifié tellement énormément par les crits. Genre à partir du moment où je vais être à 8 voire 9 stacks, ça devrait commencer à être vraiment vraiment très très fort. Mais comme je le dis, c'est une compo de comeback. Il faut connaître ses compos. Il y a des compos où vous pourrez pas faire ça. Il y a des compos où c'est littéralement le plan de jeu. Riven et Yone par exemple, c'est vraiment le plan de jeu. Les trois causes comme ça que vous trouvez à start dans les games souvent, bah c'est comme ça que ça marche. On va prendre ça et là on peut aéroll une spite 8 bits. Même dans les games les plus low roll, vous avez toujours une part d'aéroll de toute façon. Il est mort le mec qui jouait Riven 3, Kayle 3 ou pas? Non, il détruit la game, normal en même temps, il a un board de fou. Il faut que je bait d'ailleurs pour la Caitlyn. Donc on va faire ça. Est-ce qu'on met Riven centre? Où est-ce que je veux qu'elle tape cette Riven? Plutôt là hein. Sinon je vais être bloqué sur le Mordeux, c'est un peu dérangeant. J'ai envie de pouvoir dash derrière. Idéal, parfait. Ok, je tue la deuxième kill assez vite, c'est déjà ça. En plus, le no joke, le fait qu'il joue hologramme, lui ça rajoute une kill à tuer, du coup ça fait plus de dégâts à faire avec 8 bits. Du coup on stack plus sur ce round. C'est des stacks bonus. Magnifique, on est à 8 stacks. Bientôt 9-9, c'est là où vous en gros, 9, votre compo elle est là quoi, en gros elle existe. Avant 9 stacks, vous êtes pas faible, mais bon. 7 stacks, vraiment ça commence, on va dire qu'avant 7 stacks, 8 bits c'est pas dingue dingue. À partir de 7-8 stacks ça commence, et 9 stacks, vraiment vous avez un potentiel de ouf. Vous avez une récompense, genre vous pouvez top 1 des games à 9 stacks. Splat 8 bits, one time. Non, flop. Il me faut quoi là? Truc de front en théorie. Bramble, Sunfire, j'ai déjà l'antil ou pas? Je crois que j'ai pas d'antil hein. Donc j'ai pas vu un truc, mais... Non. Et lui, il a kill 2. Tu auras touché cette kill, hein. Je pourrais jouer Sona, en vrai, over lui, là. Parce que bon, là, il apporte rien, quoi. Il a rien apporté, comme dirait l'autre. Hop. On va faire ça. Et je pense qu'on donne du heal, c'est grave fort maintenant Sona heal.
Gun blade, par contre, du coup, ça part un peu au hasard, mais... Je pense que c'est ok, hein. C'est déco. C'est sur Cartus. On monte ça sur lui pour qu'il reste plus longtemps en vie avec Event Shroud. C'est un peu pourri, mais bon. C'est quelques HP, on prend. Oh, vas-y, les dégâts, abuse. Je me fais déchirer. Peut-être que j'ai besoin de mettre en attaque speed 1, je sais pas. Très dur la game. Morlaix, c'est un de mes pires match-up, c'est normal. Au niveau 9, on peut rentrer. Faut rentrer Jazz, quoi. En théorie. Je pense qu'on va swap side. Lui, c'est pas du tout un bon match-up. Il peut one-shot ma Riven, faut que je fasse attention. On va swap side. Changer de côté. On va faire boum, boum. Quelque chose comme ça. Ok, lui, on est plutôt bien positionné pour lui. Top 4 et on se casse. Je te jure, je peux faire plus cette game. Hein. En plus, on va arriver sur le PvE. C'est des free stacks et de beat aussi, un petit peu. Donc, on a le potentiel d'arriver à 10 stacks. 190 000, ça prendrait 2 rounds a priori. Ok. 72 le bleu push, donc 68 bientôt. Sachant qu'on fait 2 goals par, enfin un goal par round. Grâce à Shopping Spree. C'est combien? C'est 300, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 fois 12, ça fait... Il a 3600 HP, quoi, lui. Là, je pourrais juste push. Et prier pour les free rolls. Toucher Lucian ou l'autre, là. Ça et on va chill là-dessus, non? Ça, c'est pour mon Lucian, j'espère. Comme ça qu'on profite des free shops de Shopping Spree au max. Le maximum de value sur l'augmente. Ok. Et là on est au max de stack. Donc là on est à 10 stacks. Il suffit plus que j'ai Lucian et le Bard. Et normalement on va taper fort là. On prie aussi pour une petite spot headbeat potentiellement. On est déjà top 3. Comeback bien. On peut prendre ça. MF. Ok, il est excellent. On peut aussi juste rentrer Edgelord avec Kane ou Lyonnais. Même Yasuo. Après, je pense qu'il y a souvent ça, c'est un peu bizarre. Lucian, excellent. On va continuer à roll pour ce que je viens de vous dire. Pas touché. C'est pas grave, ça c'est excellent. Ginzo sur Lucian, c'est son meilleur item. Et juste à rentrer Edgelord 5 et je pense qu'on aborde de fou. Ah, nevermind, je crois qu'on a perdu. Ah non, attends. Ok, il m'a déchiré ma Riven, ça m'a fait un peu peur, mais c'est vrai que la Caitlyn elle tape de fou aussi. Elle a combien d'AD là? 320 frère. 320, ses casses font du 1000. Ça tape un peu. Ok, faut juste que je trouve un 5 Edge Lord et je pense qu'on est vraiment super strong tant que je positionne bien ma Riven. On peut cliquer sur le direct? Ah non, on peut pas, je crois. J'ai essayé, mais on peut pas. J'ai envie de garder ça au cas où. Kane. J'ai pas envie de me faire one shot. Le problème c'est la Qiyana aussi, elle peut me déchirer. Un truc comme ça. Ok,
Ok. Ah putain, je pensais que j'allais DPS le Yasuo, mais c'est pas le cas, j'espère que ça passe. Non, ça passe pas, je crois. Ah putain, j'ai misplay. Si je me mets à droite, je gagne. Si je me mets à droite, je gagne. S'il reste que Yasuo en vie, je le déchire. Bon, my bad, les gars. Mais sachez que si je me mets à droite, je bats le Yasuo. Et je pense que lui, la Caitlyn, maintenant, elle peut le tuer avec Medistack. Parce qu'il a pas le potentiel de scale plus, il a blank slate plus Infernal Contract, je pense qu'on gagne. Donc en me mettant à droite, je gagne contre lui et on gagne la game, je pense, les gars. Après, lui, il va niveau 10 et tout, donc il y a un monde où on perd quand même. Mais ouais, il a réussi à cacher un Golden Egg, il a une faune du coup et tout. Compliqué. C'est pas grave, on prend le top 3. Hein. Vu la game compliquée que c'est. Mais sachez que cette là, elle était top 1 avec ce que je viens de vous décrire. Et on passe Emerald 3 là-dessus, donc ça c'est cool.